Je pense que je vais pas durer très longtemps ce soir. Vais pas dire c'est un dernier run parce que je sais qu'il y a toujours plusieurs derniers runs. Mais pas loin. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton grand sommeil. À gauche, non? Non, c'est bon. Je sais, Jonathan n'est jamais trop à gauche. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Ah, c'est pas mal, je pense. Voilà. Putain, non, c'est affreux. Crois que j'ai dû taper sur un rocher avec le bouclier, donc c'est pour ça que j'ai dit c'est affreux, c'est parce que en plus d'avoir été hyper lent, j'ai dû gâcher de la durabilité du bouclier, je pense. À droite. Non, à gauche. J'étais vachement trop à gauche. Ouais. Pourquoi j'appuie sur X?
ça a failli rater. Un peu catastrophique ce sanctuaire pour l'instant. Ouf. Nice. Parfait ça. J'ai pas trop reconnu la frame là. Arc-en-ciel apparemment. Nice. C'est vrai que le rocher était rapide. Mise en place, c'était rapide. Ouais, cool. J'ai hésité sur le Extinguishing Clip parce que, ouais, comme je vous disais, j'étais vraiment pas sûr de, que ce soit la bonne frame. Un petit arc-en-ciel. Double arc-en-ciel. C'est pas mal du tout ça.
tombe dans l'eau. Parfait. Pas chargé. C'est parfait. Putain, encore arc-en-ciel. C'est 3 arc-en-ciel de suite, et la Sum of Vest est toujours la même, 30-22. Parce que c'est... C'est soit des tout petits arc-en-ciel, soit des arc-en-ciel un petit peu fake. Ouais, parce que... Comme je vous disais, j'ai rajouté les segments entrée de chaque sanctuaire récemment. Donc j'ai pas encore de bon temps sur toutes les, sur tous ces nouveaux plus petits segments. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai gagné 38 secondes. Quatrième arc-en-ciel. Bon, c'est du fake, hein, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Je suis comme que à 3 secondes 9 de mon meilleur temps ever à cet endroit-là. C'est que la deuxième fois que je sors du Polaris avec en moins de 11 minutes. Bon run. C'est bon, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Putain, bâtard. Il m'a cassé. Faut que je retravaille ce BTB. Je pensais vraiment que c'était bon là, la façon dont je l'ai fait. Et s'il me voit pas, c'est que... C'est, je pense que c'est pas le hasard, ça. C'est que je siffle trop tôt, ou trop tard, ou pas assez, ou que ma trajectoire est pas bonne. Attends, je me concentre sur ça aussi. C'est pas un problème de malchance ou de difficulté du trick, c'est que, à mon avis, je sais pas exactement la bonne façon de le faire. Je regarderai le tuto et je me réentraînerai. Je fais pour gagner une minute alors que j'ai raté le BTB. Enfin, j'ai pas gagné une minute, j'ai gagné 26 secondes. Ah oui, parce que mon PB était tombé dans l'eau, donc déjà ça perd facile 10-15 secondes. Ensuite, j'ai peut-être été meilleur sur le clip, je sais pas. J'ai raté le BTB, mais au moins j'ai raté rapidement, quoi. Je me suis barré tout de suite. Ça joue aussi. Merde.
Je gagne encore du temps. Malgré un mauvais sanctuaire. Ouais, il est mauvais, mon bébé, hein. Surtout cette section-là. Très mauvais. J'ai pas assez de flèches. J'ai déjà la Beetle. Trois flèches, six, c'est bon. Je crois que j'avais que deux flèches, je sais pas pourquoi. J'aurais pu faire sub 17. Bon, la première moitié du plateau était très bien, la deuxième moitié était très mauvaise. J'ai raté le BTB, j'ai raté la windbomb, j'ai raté l'arbre. Il reste quand même une belle avance. Ma position est bonne, j'en suis sûr. Oh putain. Ah. Il est pas là. Bokoblin a bougé. Ça, c'est le problème aussi quand je rate le coup de l'arbre et que je dois monter à pied sur le toit. Au moins deux fois sur trois, le Bokoblin il bouge. Il m'entend ou il me voit, je sais pas trop, et pas là où il faut. Let's go. Ce coup-ci, je vais pas du tout à gauche là pour l'instant. Je vais tout droit pour conserver ma vitesse. Et un peu avant, ouais, genre maintenant, je pense aller à gauche. Si c'est bon, ça le fait. Elle est où la fenêtre?
a pas mal de flèches là. Au moins 10. Au moins 11 pour être précis. Oh putain, j'ai perdu du temps. Et mon bébé, il a eu du premier coup, c'est vrai. Ça fait mal. Putain, j'ai 21 flèches. J'ai rarement vu autant de flèches à cet endroit-là. Ok, deuxième essai. Gagner du temps là-dessus par contre. Plein de flèches, jamais vu ça. Je vais avoir genre 40 flèches. Sans avoir pris celle de la forêt. Ça faut que je mange et ça. Il faut que je le mange et ça, il faut que je cuisine. Putain. J'avais perdu du temps cette cuisine finalement. L'arc, il faut que j'oublie l'arc, bordel. Je vais y oublier. Je pense. Je crois que ça va rater. Non, c'est bon. Yes.
pense que c'est bon. Yes. C'est bien parti. Alors. Next. Non. Ça passe. Putain, ça passe tout juste. Alors le boomerang, le balcon, je suis un peu trop près, je vais passer de l'autre côté. Nice. Putain, ça suffit pas. C'est un petit chouïa de vie. Donc mon bébé avait eu des mauvaises ombres. Non, il y avait des bonnes ombres et un mauvais canon. Ah, j'étais presque. Ça a failli passer le one cycle. Ça fait mieux de le dire en anglais, on dit pas un cycle, on dit one cycle. Je sais pas pourquoi. On essaye. Ok, j'ai perdu un peu de temps, j'ai bien rattrapé ma connerie. Hein. Je suis censé le toucher 3 fois en faisant une attaque circulaire, mais j'ai raté la première fois. Merci Adam, on va essayer. Le pilier qui m'est tombé sur la gueule, quoi. J'ai pas encore de flèche explosive.
contre le mur, c'est pas grave. Mais bon. J'ai peut-être fait un peu mieux que mon PB, là, je sais pas trop. Le laser? 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 Yes. Joli. Putain, je vais pb. Je réalise que maintenant. Du coup, j'ai pas stressé là pendant la phase 2. Rien de grave, ça devrait quand même sub 35. Elle dit pas toujours les mêmes trucs à ce moment-là, j'ai remarqué en fait. Folie, la lumière, vise les points lumineux. Tu l'as blessé, continue comme ça. Me charge de son aura. Yes! 34-52. Putain. LOL. Je reviens pas du tout. Probablement. Sub 35. Non, je réalise pas. Surtout que. Je me sentais pas hyper bien là ce soir. J'ai ultra mal aux pieds pour tout vous dire. J'ai un problème aux pieds. Et j'allais arrêter et putain. Nice. Trop
3452. Avec donc un début correct sans plus, 4.51. Très bon Cryonis, très bon Polaris, le sanctuaire pas chargé. Bombe et paravoile catastrophique. Ensuite BTV, deuxième essai, et ensuite tout s'est bien passé. Les wind bombes étaient super, le wind by skip, les ombres étaient correctes. Apparemment j'ai perdu 4 secondes. Ganon était bien, j'ai gagné un peu de temps sur Ganon. Putain, cool! Deux PB de suite, là, en vraiment pas longtemps, en moins d'une semaine, alors que j'avais pas fait de PB depuis le run numéro 501. Entre le 501 et le 862, il n'y a pas eu de PB. Ouais, heureusement que je joue pas avec mes pieds, là, ça aurait pas été possible. Je crois que Spikes and Stat, il a fait un run avec ses pieds. Pour déconner. Il a réussi à finir le jeu, apparemment. Mais du coup, là, ouais. Je pensais plus à mon pied qu'au run, en fait. J'étais avec toi depuis le début, à chacun de tes pas. Et c'est vrai, je savais que j'étais en avance au début des ombres, mais... J'ai vraiment pas paniqué cette fois-ci. C'est pourquoi je savais. J'en étais certain. Parce que j'y croyais vraiment pas. Pourtant, c'était ultra favorable, hein, vu que j'avais réussi le. Apparemment, j'avais plein de flèches. Link, héros d'Hyrule. Donc il y avait des raisons d'y croire. Hein. De rien, Zelda. Est-ce que tu te souviens de moi? Ben, pour la 83e fois. Non, pas trop. Alors, je vais faire comme la dernière fois.